Et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine, les produits terminés. Donc je décide de vous la faire aujourd'hui, j'étais en vacances cette semaine, j'ai fait pas mal de nettoyage et de ménage de printemps, etc. Donc je n'ai pas trop eu le temps de vous tourner la vidéo mercredi, mais j'ai décidé quand même de vous la tourner cette semaine comme à mon habitude. Voilà, donc le sac est plein. Voilà, je décide donc de vous faire cette vidéo et de vous parler des produits, de ce que j'en pense, etc. Donc tout d'abord, je pioche une lessive concentrée Formil Actif que j'achète chez Lidl. Celle-ci, à moins de 3 euros, elle est vraiment très très bien, la lessive liquide. Quand je fais des petits programmes, etc. et que la pods ne font pas, j'utilise de la lessive liquide. Et celle-là, je crois qu'elle coûte 2,50 euros. Très très bien. Mon gel WC Rio de tous les temps, le retour. Donc ça faisait un petit moment que je ne le trouvais pas, etc. Il est de nouveau de retour dans les actions. Par contre, je trouve qu'il est beaucoup plus liquide qu'avant. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est plus liquide, etc. Donc j'en ai 3 en backup. Mais voilà, je l'utilise quand même, il est très très bien, il sent bon l'eucalyptus, etc., la javel, donc il est très très bien. Et j'ai utilisé la semaine dernière un dupe de chez Aldi qui est très très bien également. J'ai terminé un déodorant Fa, donc celui-ci c'est le Pink Passion. J'ai bien aimé, mais j'ai une préférence pour le Secret Moment, le couleur un petit peu pêche. Donc il est bien, il sent bon, etc. Mais au niveau de la transpiration, c'est pas ça. Donc celui-là, je ne le reprendrai pas. Des lingettes Spargo spécial miroir. Donc c'était mon deuxième paquet à terminer. Je n'aime pas le gaspillage. Donc je l'ai utilisé en lingette classique. C'est un bide pour moi. Ces lingettes-là, vitres, ne les prenez pas du tout. C'est une catastrophe. Donc je les ai détournées en lingette ordinaire. Voilà, tout simplement. Un sachet de lessive, de vaniche blanco blanchisseur, donc très très bien, toujours pour la lessive de blanc, un sachet, une lessive, c'est tip top. Je jette un fond de teint de la marque Revlon que j'avais acheté chez Nose, ça devait être moins de 2 euros. Donc c'était la référence 110 Ivory de chez Revlon, donc j'arrive plus du tout à porter de fond de teint. Je n'y arrive plus, ma peau ne supporte pas du tout et je ne supporte plus du tout le fond de teint. Je n'utilise que la BB et la CC Crème de chez Herborian. Donc là, je suis en train de finir celle-ci, la BB Crème, et j'ai acheté la nouvelle que je vais tester prochainement. Mais les fonds de teint, pour moi, c'est terminé, terminé, terminé. J'ai terminé un shampoing Elsève Total Repair 5, cheveux abîmés, donc très très bien. J'adore ces gammes, comme vous le savez, à chaque fois, j'utilise donc le combo, soit le shampoing et le masque, ou le shampoing et l'après-shampoing. Là, j'ai terminé le shampoing, il est très très bien celui-ci, l'odeur est juste à tomber, et les gammes de chez Elsève, je les adore. J'ai terminé des sels de bain parfum vanille de la marque Corinne de Farm, que ma fille m'avait acheté il y a très très longtemps. Donc j'ai enfin terminé le pot, c'est super long à finir, ces grands contenants là. Donc j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que je trouve que c'est très très long à terminer. Et en plus ils étaient périmés, alors oui, ils étaient périmés juillet 2021. Mais du coup je les ai quand même utilisés, bon c'est des sels de bain, voilà, il n'y a rien de dangereux je pense à ce niveau là. Mais voilà, j'ai terminé ce contenant de sels de bain à la vanille. Ma fille a utilisé ces masques-là que je lui avais offerts. Donc, c'est les Glitter Mask Peel-Off. Il y en a 4 à l'intérieur. Donc, ils sont bien. Elle les adore. Mais par contre, ça fout des paillettes partout. On en retrouve partout la salle de bain. C'est juste une horreur. Donc, je ne pense pas que je rachèterai ce genre de masque. Du papier toilette de la marque Renova. Donc là, c'était un grand contenant de 40 rouleaux. Donc, très, très bien. Nous avons terminé des rasoirs jetables de la marque Simply Venus. Alors, je ne les trouve pas si bien que ça, finalement. Je les avais achetés chez Action. Donc, il y en avait 4 plus 2 offerts. Mais je ne les trouve pas tip top. Non, pas du tout. Donc, je ne sais pas si je rachèterai. Des cotons à démaquiller que j'avais eu chez Nose à 80 centimes. Donc, très, très bien. Des cotons de la marque Aura.
Donc, voilà, ça fait son job. Nous avons terminé une douche crème de la marque Cottage que mon amie m'avait donnée parce qu'elle avait des soucis de peau. Donc là, c'est velours de miel. J'ai bien aimé. Après, le miel, je suis pas très très fan. Mais bon, voilà, on l'a utilisé quand même. Mais si je devais en racheter, je ne prendrais pas du coup cette senteur au miel. Encore une lessive. Donc celle-ci, c'est mon amie qui me l'a donnée également. C'est de la Skip. 34 lavages, donc très très bien. Nettoie très très bien le linge, une bonne odeur de propre. Donc il y a 1,7 litre. Voilà, donc c'est parfait. Un petit assouplissant de la marque Apto qui vient de chez Intermarché. Donc concentré de sensations, essence de vanille et de cèdre, 27 lavages. Donc moi j'ai pas du tout fait 27 lavages avec ce genre de contenant, comme je vous le dis. J'ai une machine de 15 kg. J'ai pas trouvé très top, non. Donc après c'est la marque Supermarché, mais non, je l'ai pas trouvé très très top. Ça sentait bon, mais pas non plus une senteur de fifou. Mon mari et mes filles ont terminé le Sienne anti-pelliculaire bleu, pardon, en 500 ml. Donc très très bien, je rachète à chaque fois. Encore un sachet de vaniche blanco pour la lessive de blanc. Donc c'est bien parce qu'il y a la dose vraiment idéale, je trouve. Et c'est beaucoup moins cher que le gros pot. J'ai terminé une petite jarre de chez Yankee Candle. Donc là, c'était fruits exotiques, donc j'ai bien aimé. Voilà, donc ça se consume jusqu'au bout. J'adore les Yankee Candle. Donc là, le beau temps arrive, on allume un petit peu moins les bougies. Et pour terminer, toujours une Yankee Candle. Là, c'est un galet effervescent. Galet, celui-ci, c'était lettre au Père Noël. Donc, il sent divinement bon. Et j'ai terminé un paquet de lingettes désinfectantes antibactériennes sans javel de la marque W5, donc la marque de chez Lidl. Très très bien, ces lingettes désinfectantes, elles sont vraiment top. Et en plus, elles coûtent 75 centimes d'euros. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Voilà, le sac est vide. La vidéo de produits terminés est finie. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez envie de voir mes vidéos, n'hésitez pas à activer également la petite cloche. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !